Hello, hello, hello! J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais faire concurrence à Edouard Philippe. Ah oui. Mais bon, c'est bien parce que vous allez pouvoir enfin me voir à plus de 100 km de votre portable. On verra bien. Bon, allez, je vais remettre mes lunettes, pas de travers. Voilà, là, elles sont de travers comme ça. Donc ça m'arrive comme ça. Alors que je cale un peu, que je puisse vous voir en direct, on va mettre ça en silencieux. Voilà, c'est moi ça. Vous êtes gentil. Hein. Alors aujourd'hui, quelques petites chansons. On va commencer par une chanson de pour. Une chanson de pour. Voilà, ça c'est la petite surprise. Et puis après, vous aurez d'autres surprises. Ça va? Est-ce que le son est bien? Vous comprenez quand je parle? Jean-Guy Duguay, bonjour. Mona Lisa. Monique, Gisèle, Pascal, Delphine Thomas, voilà, Françoise Zaffrani, Josie, trois autres personnes. Ça y est, ça vient. Jean-Claude, bonjour JC, Michel, Josie, bonjour Josie, Monique. Bon, alors, quand je vous disais que j'allais vous interpréter une chanson de pour, mais c'est une chanson de Ferrat pour Georges Brassens. Est-ce un reflet de ta moustache ou bien tes cris de mort aux vaches qui les séduit? De tes grosses mains maladroites quand tu leur mets dessus la pâte, c'est du tout cuit. Les filles de joie, les filles de peine, les margotons et les germaines riches de toi. Comme dans les histoires anciennes, deviennent vierges et souveraines entre tes doigts. Entre tes dents, juste un brin d'herbe, la magie du mot et du verbe pour tout décor. Même quand tu parles de fesses et qu'elle rime avec confesse, ou pire encore, Bardot peut aligner les siennes. Cette façon de montrer les tiennes ne me déplaît pas. Et puisque les dames en raffolent, on ne peut pas dire qu'elles soient folles. Deo gracias. Toi dont tous les marchands honnêtes n'aurais pas de tes chansonnettes donné dessous. Voilà que pour leurs vieilles confitures, elles resteront dans la nature bien après nous. Alors qu'avec tes pâquerettes tendres à mon cœur, fraîche à ma tête jusqu'au trépas, si je ne suis qu'un mauvais drôle, tu joues toujours pour moi le rôle de l'Auvergnat. Voilà donc ce fameux hommage de Jean Ferrat envers Monsieur Georges Brassens. Ils n'étaient pas forcément toujours sur la même longueur d'onde, mais ils se vouaient l'un à l'autre une admiration sans borne. Il y avait de quoi. Alors une chanson que je chante assez rarement, une chanson de Brassens cette fois-ci, que je chante assez rarement, et comme en ce moment ça tombe bien, il faut que je fournisse de la matière, parce que sinon il va falloir que j'arrête si j'en ai plus. Et puis une chanson que j'apprécie énormément, et que je m'en bats, vous soumettre, vaincu. Mais de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon. Sa propre flèche
amoureux l'ont essayé. Et de leur bonheur ont payé. Ce sacrilège. C'est d'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissant le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent. Elle perd son latin devant la lèche frite. Et moi je ne veux effeuiller dans le pot au feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Leur ôte bien des attraits en dévoilant trop de secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vite entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond un pot de confiture. La jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins. Je te dispense qu'en éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas au nom au bas d'un parchemin. Un très 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 beau texte. Évidemment, quand on parle de Georges Brassens, c'est un pléonasme de dire Brassens, ça fait des jolies chansons. On dit Brassens, tout simplement. C'est quand même le plus grand, je trouve, en termes de mélodie, de texte. Alors, oui, après, c'est ce qui est bien. Je commence toujours par du fort, et puis après, bon, très bien, je vais pas faire que du Brassens, parce que c'est grâce à des personnes comme Georges Brassens, fatalement, que ça m'a donné envie d'écrire des chansons. Bon, alors si. Alors, celle-ci, elle est, je la fais très, très, très rarement sur scène, parce que
Elle a été gravée sur mon deuxième album, donc l'album Contes à rebours. Elle s'intitule Je sais. Et puis il y a plein de petits clins d'œil aux années, à ma génération en quelque sorte. Donc tous les cinéphiles de cette période vont retrouver des petits clins d'œil. Voilà, donc elle s'intitule Je sais. Et ça fait très 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 longtemps que je l'ai faite spécialement pour vous. C'est encore une exclusivité exclusive. Voilà. Je l'ai faite spécialement pour vous aujourd'hui, à la guitare. Y'a rien à faire pour que ça change. J'ai beau garder ma petite gueule d'ange, et si mon regard vous dérange, ce sera déjà un échange. On passe notre vie à regarder l'autre côté pour voir si c'est mieux. On se fait notre petit cinoche pour mieux se cacher tout ce qui est moche. Je sais, je sais, je sais que la vie c'est que du ciné, du cinéma. Je sais, je sais, je sais que la vie c'est que du ciné, du cinéma. Je sais surtout que je ne sais rien du tout. Arrêtons les gabineries, en noir et blanc ou en couleur. Le quai des brumes d'Arletty et les petites filles en fleurs, faisant fi des mauvais augures. Mais de tout ça, on en a cure. On est John Wayne ou Dean Martin, cow-boy en chef à la cantine, Al Capone en cours de récré. Je sais, je sais que la vie c'est que du ciné, du cinéma. Je sais, je sais que la vie c'est que du ciné, du cinéma. Je sais surtout que je ne sais rien du tout. On est John Wayne ou Dean Martin, cow-boy en chef à la cantine, Al Capone en cours de récré, les rois du Z de l'épée. Plus tard, film X en rococo, filer l'Espagne des châteaux. Emmanuel est en pétard, Emmanuel Almodovar dans le coltard. Et ben ben papa, et je sais, je sais, je sais que la vie c'est du ciné, du ciné, du ciné, du cinéma. Je sais, je sais, je sais que la vie c'est du ciné, du cinéma. Je sais surtout que je ne sais rien du tout. C'est le grand chambardement. Je suis dans les 10 emmerdements. Je la vis, joue lettre à Élise. Si ça continue, je suis dans la mouise. Et dans ma Simca B2000, moi je la joue à jeux interdits. Je la culbute dans le fossé. Je sais que ça va faire jaser. Je sais que la vie c'est que du ciné, du ciné, du ciné, du ciné, du cinéma. Et je sais, je sais, je sais que la vie c'est que du ciné, du cinéma. Et je sais surtout que je ne sais rien du tout. Les tontons sont déjà flingués, tatoués en Tony Truant.
et les dialogues ciselés en audiard comme avec les gants. J'ai comme une peur sur la ville, de long en large, tour de Bébel, et je vois déjà cette idylle de mon temps Simone Signoret. Hey, 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 je sais, je sais, je sais que la vie c'est que du ciné, du cinéma. Oh, oh, je sais, je sais, je sais que la vie c'est que du ciné, du cinéma. Je sais surtout que je ne sais rien du tout. Voilà cette petite chanson clin d'œil. Qu'est-ce... Ah, alors là, par contre... oui, les restaurants, les bars, cafés, on s'en fout, de toute façon, on n'ira pas. Hein. Je ne bois pas pour le moment, m'enfermer dans un bar, à part sur une terrasse, peut-être. Enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir enfin réouvrir. Voilà. Et bon, on aura le différé d'Edouard Leclerc, non pas Edouard Leclerc, Philippe Seguin, Edouard Philippe. On aura le résumé ce soir, vous regardez BFTF1, enfin tout, ça va être partout. Voilà, donc ben voilà, c'est terminé. Oh non, je vous en fais encore. Alors, la petite surprise, je remets les lunettes parce que je vois pas tout. Oui, ben, je me suis amusé. Une Simca B2000, ça me rappelle les films de Cécile B2000. Donc ça, on regardait ça, bon, c'est pas notre génération. Hein. Mais à l'époque, on allait voir un film de Cécile B2000. Bénure, etc. Donc celle-ci, alors elle s'intitule Le Sablier. Alors j'ai toujours été... touché, je sais pas, ému par le sable, par le temps qui passe. Ça se reconnaît souvent dans mes chansons d'ailleurs. Tiens, à ce sujet, Alain Vitier m'a fait l'immense honneur d'interpréter Rue du Bon et d'Étienne. Donc, je lui avais envoyé le texte et la bande musicale il y a quelques jours. Il m'a fait la surprise aujourd'hui. Chapeau, une superbe interprétation. Ça fait toujours drôle d'entendre chanter une de ses chansons par quelqu'un d'autre. Jusqu'à maintenant, c'était. Sandra Lecouteur qui a fait sa version à elle, donc l'album commence à avoir des très bons retours au Canada. Et puis Alain Vitier qui a enregistré ça, il m'a envoyé ça tout à l'heure. J'ai découvert ça, donc allez faire un tour, vous allez voir. C'est, d'ailleurs, il n'y a pas que celle-là, il a fait plein d'autres chansons autour des textes d'Alain Lepresse, etc. C'est vraiment superbe. Voilà, donc ça c'est un très 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 vieux texte. Je crois d'ailleurs que je n'ai plus jamais chanté cette chanson. Donc, parce qu'en fait, dans notre métier, on ne sait pas trop quoi chanter. Moi, je passe dans aucun format. Il y a plein de festivals où on ne me prend pas parce que je fais ces ringards. Ça ne correspond pas au format. Donc, il y a des gens qui passent. Moi, je ne passe pas. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ce type de chanson parce que justement, c'est trop gneugneux. Mais alors, je vais vous faire une chanson gneugneux. Les ruisseaux avant de faire des rivières. Je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais où, il est trop tôt. On ne me l'a dit qu'avant-hier. Je ne vois plus passer le temps, ni même le doux d'un printemps. Il y a bien quelque chose qui cloche tout au fond de mes idées folles. Passe le temps, passe ma vie, je ne suis qu'un tout petit grain dans le grand sablier du temps. Passe le temps tout doucement, je ne suis qu'un tout petit grain dans le grand sablier du temps. C'est la fleur à la boutonnière que je me porte devant vous. Surtout ne jetez pas la pierre à celui qui a trop donné, il vient à vous les mains ouvertes. Surtout n'érigez pas de croix au monde de piété de nos âmes. Prenez besoin du crucifix à l'horizon de nos folies. Passe le temps, passe ma vie, mais passe donc. Passe le temps, passe ma vie, il
m'en faudrait bien deux ou trois pour bien en faire le tour. Il ne me reste que ma guitare et quelques mots dans une chanson. Un funambule sur un fil n'est pas plus à l'aise que nous. Le tout est d'arriver au bout. De vie en vie, en aventure, je ne veux pas mourir au lit. À cette morale caricature, il est temps d'y faire des ratures. Passe le temps, passe ma vie. Passe le temps, tout doucement. Passe le temps, passe ma vie. Je ne suis qu'un tout petit grain dans le grand sablier du temps. Passe le temps, passe ma vie. Il m'en faudrait bien deux ou trois pour enfin en faire le tour. Et voilà ma chanson Gneu-gneu. On va continuer avec une autre chanson qui est extraite de l'album éponyme. Alors, bah oui, mais c'est du gneu-gneu quand même. Ça ne passera jamais sur les radios, c'est trop gneu-gneu. Allez. Maria, j'ai des mots, oh, petites phrases en l'air pour en faire des marmots, oh, des petits mots, des modestes. Les mots se jouent de nous souvent, nous assassinent, nous condamnent. Au roi Midas se distourvant, et en douceur se font modane. Tiens, à propos, je reprendrai la chanson juste après. Quand j'étais gamin, j'avais ma tante Margot. D'ailleurs, j'ai fait une chanson sur l'album éponyme qui s'appelle Dans les bras de Margot. Je vous la referai une autre fois. Et elle m'a raconté, c'est une chanson. Je ne sais pas si c'est une chanson. Quand j'étais petit garçon, évidemment. Donc, elle m'a raconté cette histoire. D'autres, peut-être parmi vous, la connaissent. C'était l'histoire du roi Midas qui avait des oreilles d'âne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, le roi Midas avait été tellement. Il aimait tellement l'argent que son grand chambellan, qui était un peu sorcier, lui propose de enfin, ce qu'il voulait, d'après ce que j'ai compris, parce que ce sont des vieux souvenirs, hein, lui jette un sort de façon à ce que tout ce qu'il touche soit de l'or. Le problème, c'est qu'il ne pouvait plus manger, plus rien faire, parce que dès qu'il touchait quelque chose, ça devenait de l'or. Et pour punir son chambellan, il est allé voir un autre sorcier, et ce chambellan s'est retrouvé avec des oreilles d'âne. Ça vous dit rien, ça? Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est le chambellan qui, pour se venger, a mis des oreilles d'âne au roi Midas. Donc le roi Midas est obligé de mettre un chapeau en permanence. Et il n'y avait que le chambellan qui était au courant de cette histoire. Donc, n'en pouvant plus, il avait envie d'en parler. Il va dans un champ, il fait un gros trou. Et il crie très fort, le roi Midas a des oreilles d'âne. Et puis il referme. Il fait un gros trou, il referme tout. Il s'en retrouve soulagé. Et puis passe le temps, passe la vie, passe le temps. Et puis c'était un champ de blé. Et quand vient donc la période du blé, le blé commence à pousser, à pousser, à pousser. Et puis dans le vent, tous les épis de blé chantent, le roi Midas a des oreilles d'âne. Voilà, ça y est, j'ai réussi à la mettre en ordre. Et pourquoi? C'est pour ça que quand je suis dans la chanson Les mots, je dis, les mots se jouent de nous souvent, nous assassinent, nous condamnent. Au roi Midas se disent au vent et en douceur se font modane. Il y a encore une réminiscence. Quand on était gamin, on allait à la pâtisserie et on achetait du pain de modane. Voilà, donc la petite parenthèse. Allez. Maria, j'ai des mots, oh, petites phrases en l'air, pour en faire des marmots, oh, des petits mots, des modestes. Les mots se jouent de nous souvent, nous assassinent, nous condamnent. Au roi Midas se disent au vent, et en douceur se font modane.
Les mots font mal, on dit des mots d'éclat, des mots de tête, des mots qui partent, des mots qui restent, et des mots libres, démocratie, et des mots libres, démocratie. N'ayons pas peur des mots hauts, même s'ils sont un peu gros, même dit à demi-mot haut, ils ne sont qu'animaux. Et nos oreilles si fragiles s'offusquent parfois sans mobile, et terrassées par l'émotion se démotivent sans passion. Les mots font peur à l'émotif, en wagon ne sont que des leurres, locomotive à leitmotiv, et les mots filent à 100 à l'heure. Et les mots filent à 100 à l'heure. Est-ce ainsi que naissent les chansons? Est-ce ainsi que naissent les passions? Ainsi que les révolutions. Les mots n'ont pas toujours raison, et quand ils ont le dernier mot, on les remplace par d'autres mots. Avec les mots autant qu'au chalumeau, on devient trop mal ludaire avec un mot de trop. Faut sortir les mots bleus quand l'amour est morose, et dire les mots qu'on peut sans que ça indispose. Que je sois maudit si je ne dis mots, tous ces maudits sont démodés. Pourtant j'ai vu se marier des tas de mots qu'on n'a pas dit. Non, non, pour se marier faut dire oui, des tas de mots sur du papier, des tas de mots pour se quitter. Sur le papier, l'hémorragie, et même parfois l'hémoglobine. Est-ce ainsi que meurent les chansons? Est-ce ainsi que meurent les passions? Ainsi que les révolutions? Les mots n'ont pas toujours raison, et quand ils ont le dernier mot, on les remplace par d'autres M-A-U-X, on les remplace par d'autres M-O-T-S, on les remplace par d'autres M-A-U-X, on les remplace par d'autres mots. Et voilà, pa ba la ba la pa 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 pa. Il va falloir y aller. Hein. Bon, regardons un petit peu. Bon, est-ce que c'était bon le son? C'était parfait? Oui. J'ai mes lunettes droites. Ah, c'est dur, hein, parce qu'en fait, ça ne tient pas trop. Et là, au moins, on pourra dire que j'ai les lunettes de travers. Bon, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Et puis, on essaie de se dire à demain. N'oubliez pas ce soir, Jean-Marc, Hermès Tropian, 19h. C'est dommage parce qu'en même temps, il y a Catalina Claro. Donc, si vous êtes avec moi, on ne peut pas la voir. Vous allez la voir en différé. Donc, Catalina Claro, c'est superbe. Et puis, Hugues Drey, ce soir. Vous avez Jackie Évrard, Yann Malo. Enfin, il y a plein de personnes qui font des directs. Encore quelques-uns. Et puis, voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Bonne fin de soirée.